La balle entre le tête de fond du crâne est assortie entre la victime's yeux. Dans la forme de sang, s'avérerait que la balle est venue d'une direction sud-est. Hey, ici. La victime s'appelle Philip Swecky. J'ai contacté les parents de Philippe et a obtenu une liste à lui les amis qui étaient avec lui qui nuit aussi, bien que leur nombre de téléphonés. Ok, apportez les garçons pour l'interrogation. Stuart Cook? C'est mon nom, ne le portant pas trop. Vous étiez avec Philippe à l'heure de tir. Ce qui vous... À vous pendant, à période de tir. Nous avons parlé, j'ai entendu un projectile. J'ai juste couru parce que je n'ai pas voulu obtenir blâme. Avez-vous, vous quelle personne, après tout, a entendu le projectile? Oui, quand j'étais courir, je me suis frappé dans cet homme d'affaires usage un costume noir de filet. Avez-vous vous sans visage? Non, j'étais courir plus rapidement pour identification. Ok, c'est tout. Nous parlons de toi. Si nous découvrons plus d'informations. Helbert, que regardez-vous? C'était la balle trouvée à la lieu de crime. Il y a des morceaux de chair sur la balle qui ne matche pas la d'un de Philippe. Oh, est-ce qu'il matche l'une des autres trois? Non. Ok, me dire quand vous avez plus d'informations. Qui s'est produit la nuit passée quand Philippe a obtenu le projectile? Nous avons été marcher sur la rue. Mais alors nous avons entendu un projectile. Et la prochaine chose que nous avons que Philippe était sur la terre. Nous? Moi, Adam, Stuart et Phil. Puis que c'est vous? J'ai couru loin aussi rapidement que je pouvais obtenir le projectile. Mais alors, il y a des tireurs partout et je l'ai esquivé. Que tout sauf alors un certain noob était votre humiliation. La et ainsi j'ai obtenu mon couteau de heart et pond il. Je n'ai pas voulu être prochain de ligne. Ainsi je suis allé en zone dash, mais le round était affini. Terrorists win. Ok, c'est tout. Nous parlons toi, découvrons plus l'information. Il n'a pas eu rien d'utilité pour dire. La première témoin dit n'importe quoi utile. Il dit quelque chose au sujet d'un homme avec un costume filet. Je verrai si je peux obtenir une identification sur lui. Thank you.
autopsy a-t-elle enri quelque chose? Il y avait l'ADN non identifié de ton blessure principale. J'ai envoyé les résultats à Albert. L'ADN d'autopsie a sorti l'ADN de la balle. Ce que nous avons lié à un homme appelé Anthony Parker, a.k.a. Dollars. Trouvez Dollars. Dollars? Avez-vous la nuit passée à 17h? J'étais dehors, chillin' avec mes amis. Où exactement? Vous savez, autour. Ce qui arrivait, allez votre main. J'étais verrouilleur de ma maison et tout cassé une fenêtre. Pourquoi suis-je ici? Nous avons les indices qui vous met à la lieu de crime que nous avons étudié. Vous étiez un suspect principal pour le meurtre de Philip Zwicky. Wow! Ne pas tirer une personne. Alors vous, ne souciez pas. Nous prenons vos vêtements et allez votre blessure. Retentit bon. La blessure sur la main de Dollars a assorti la balle trouvée à la scène pour nous avons maintenant identifié pour avoir été tiré par un tireur isolé 2-3 AE-1 automatique. Nous avons également trouvé des traces de poudre sur les chemises de Dollars, le mettant près de la pistolette quand le projectile a été mis au feu. Le poudre était sur la bras gauche, qu'il a une probabilité élevée qu'il était le tireur. Le sang à trouver à la scène indique que ce qui a été tiré à la sud-est. Il a été tiré à une distance parce que le sang était dans une forme très oblongue. Nous avons avec succès rétréci vers le bas et laissé deux maisons. La poudre sur Dollars ne se comprend pas. S'il avait tiré le fusil, puis il y aurait de la poudre sur les deux bras, qu'il n'était pas, et la poudre n'était pas assez dense pour lui faire le terreur. La poudre indique que Dollars doit avoir été de 3 pieds loin quand le projectile a été mis à feu. Accroché de sauce, par ce moyen que le projectile de tirer par Dollars et a alors frappé Philippe? Peut-être il a frappé Philippe comme accident. J'ai interrogé le Dollars encore. Il a identifié la maison pour tirer étant que 341 Beresford. Apparemment, il volait la maison quand le propriétaire est venu la maison. Il a eu une tousselle et Dollars a obtenu le projectile. Dollars a sauté la fenêtre à courir. Le propriétaire de la maison est Martin Canahan. Nous avons Martin dans la salle d'interrogation. Il porte un costume noir de filet. J'obtiendrai Stuart Cook ici pour voir si nous pouvons obtenir une identification positive sur Canahan. Monsieur, nous avons les indices qui vous met près de la scène de la chaise 17h le dimanche. Nous voudrions enlever des enchantillons de vos vêtements si vous n'avez pas occupé. Sure, quelque chose a aidé. J'espère que vous trouvez ce terrain. Monsieur, ce qui étions vos faisons chez 17h dimanche? Marcher à ma maison après travailler. Monsieur, chez 17h plus 1, vous étiez vivement marcher vous loin de votre maison. Qui est utile ces produits? Avez-vous tous les armes à feu autorisées? Non. Alors quel était un 2-3 AE-1 fusil fait dans votre maison hier?
Quand je suis devenu chez moi, il y avait un tous qui avait apporté un fusil avec lui. L'intrus a apporté un tireur à sol, fusil avec lui pour voler votre maison? Oui. Puis pourquoi étant les empreintes digitales sur le fusil seulement de votre main? Il m'a forcé à tenir le fusil tandis qu'il portait des gants. Il se tire un enfant sur la rue? Je ne sais pas, il est fou! Quel était dans votre maison? Aucun corps autrement. Alors, vous étiez arrêté pour le meurtre assez de Anthony Parker et homicide involontaire de Philip Sawicki. I will be the one to love and cover you from now until the day I die. I will take your places that you only think about when you're asleep. Have a regular ball and when you're still in the What the hell, man? Yo, director, that's what I'm talking about. I acted, yeah. Can't stop. Things that you could never see. Let me take the time to understand it now. We'll say.